Eh bien, salut tout le monde, c'est Matos et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de mon tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Je joue sur émulateur, mais on va parler des détails après. Alors, qu'est-ce que tu en penses de mon histoire? Tu avais deviné que Tetra était la princesse Zelda? Hé, hey, Link, tu roupilles, moussaillant! Voilà. Donc, The Legend of Zelda Phantom Hourglass, c'est la suite directe de Zelda Wind Waker, The Wind Waker. Link. Oh, pétard. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ah là là. Alors. C'est pas bientôt fini, vous deux. Vous devriez être au poste. Ouais, oui, mais calme-toi. Enfin, Tetra. Ah, tu parles d'un héros légendaire. Qui va croire que tu m'as sauvé du royaume maléfique? Princesse Zelda, nous sommes bientôt arrivés. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Zelda. Tetra, c'est très bien. Il n'y a pas de raison de changer. Enfin, bon, passons. C'est vrai que c'est dingue. Je trouve que dans Zelda Wind Waker et tout ce qui va suivre en fonction de Tetra, ce dédoublement de personnalité quand elle est Tetra et quand elle est Zelda, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on passe d'une peau mate à une peau blanche quand elle est princesse, c'est dingue. Enfin bon, on va pas souligner plus que ça. Est-ce que vous entendez ma souris? Oh, j'ai tapé le... C'est pas grave. Est-ce que vous entendez ma souris? Oh là là, c'est pas grave, bon. Oh là là, Ergo, il a vu quelque chose. Eh ouais, qu'est-ce que c'est? Il fait frisquer. Pourquoi j'ai des petits coups de lag là? C'est pas normal. On va espérer que cela va se calmer, mais en théorie, il devrait pas. Parce que sinon, je vais changer de logiciel. Parce que là, j'utilise Fraps. Pour cet épisode, on utilisera Fraps, mais voilà. Wow! Serait-ce le navire fantôme? C'est ce qu'il a dit le petit Nico, je crois. C'est le navire fantôme! Je le savais! Ses eaux sont maudites! Et ça se prétend pirate, c'est juste un bateau. Mais ça pourrait bien être le navire fantôme. Il est peut-être... Il y a peut-être des trésors en pagaille à bord. C'est décidé. Je vais tirer ça au clair, je crois. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est horrible ce cri là quand même. Non! Non! Ce plan est magnifique, mesdames, messieurs. Je viens de gâcher la scène, hein, je... Waouh. Anna! Anna! PNG! Pardon. Link! Sauve-moi! Link!
Oh non, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres l'envahissent, sauve-moi, Link! Ah pétard. 10 minutes déjà? Sans blague. Sans blague. Moi, tu te calmes. Oh pétard, ma miniature elle bug. Pourquoi je suis passé à 8 FPS d'un coup? Ouf, tu es réveillé. Tu n'as pas l'air trop. Alors, mesdames, messieurs. Ouais. Il y a des chutes d'FPS, ça me saoule un peu. Alors, quand je joue sans enregistrer, il y a zéro problème. Hein. Je peux même améliorer les graphismes et tout. Mais je vais vous en parler de ça. Bon. Quoi? Oh, Navi, le navire fantôme. C'est pas Navi du tout. Je crois que c'est celle-là qu'elle s'appelle. Tu t'es lancé à sa poursuite et tu t'es retrouvé perdu en mer. C'est le navire fantôme dont tout le monde parle. On dit qu'on ne revoit jamais ses victimes. Oh, le navire fantôme, grand-papy doit savoir quelque chose. J'ai perdu la mémoire il y a longtemps. Pourquoi elle me raconte sa vie d'un coup? Quand je me suis réveillé sur la plage. D'accord, ne t'inquiète pas. Alors, je m'excuse, je tourne la vidéo en période saisonnière d'automne. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Mais c'est pas grave. Alors. Oh, zéro chute d'FPS. Alors, petit bilan de pourquoi. Déjà, je filme sur émulateur parce que je peux pas filmer ma console. Et je peux effectivement améliorer les graphismes. Mais la raison pour laquelle je ne le fais pas... ça s'appelle les bugs graphiques qui sont immondes et franchement entre quelques bugs graphiques et ça j'ai une grosse préférence sur une petite perte de qualité voilà donc je vous conseille de toute façon de regarder le let's play éventuellement sur tablette ou sur téléphone et pas sur un gros écran. Oh là là, par contre il y a des ralentissements, mais écoutez, dans le prochain épisode ces ralentissements seront réglés, je filmerai plus avec Fraps. Oh, mais waouh, mais tu te détends. Je filmerai avec OBS. Voilà. Oh, monsieur le pépé. Ah, bonjour, voyageur. J'ai même pas lu ton prénom tellement j'en ai rien à faire. Alors, j'ai déjà fait le jeu. Je le connais. Voilà. On va le faire à 100%, enfin du moins tous les cœurs. Voilà, après pour ce qui est des collectables et tout, il y aura un système de pêche, récolter tous les poissons, ce sera... voilà, on pourra pêcher dans le jeu, mais bon. Bon, par contre, je suis navré des fois de ces chutes d'FPS. Oh là là. J'en ai marre. Pourquoi à chaque fois que je veux me lancer dans un let's play, j'ai des soucis? C'est lunaire ce qui se passe, arrêtez! Il n'y a aucune raison là qu'il y ait des ralentissements. Oh, pardon, j'ai fait un truc, ça va peut-être filmer. J'espère qu'on n'a pas vu la barre. Oh, eh les gars, je vais arrêter l'enregistrement juste après, je vais le reprendre, ça vous fera une ellipse. Mais c'est pas possible ça. Enfin... Mais arrêtez! Oh, je suis navré les gars, il y a eu un blanc là pendant un instant, mais... Je veux pas couper l'enregistrement pendant la cinématique, mais enfin. Waouh, mais c'est lunaire. Attendez, je vous fais une ellipse. Alors, on est de retour. Ben voilà, ça bug plus. C'est lunaire ce qui s'est passé. Alors, je suis toujours sur Fraps, hein. Je vais pas changer comme ça. Sinon, mon montage, ça risque d'être bordélique. Oh là là, le pont, il s'est effondré. Oui, parce que normalement, on est censé aller au pont. C'est vrai que j'essaie d'aller peut-être un petit peu trop vite en besogne. Alors les chutes d'FPS sont revenues. Et je vais leur dire de se détendre très très vite. Je vais lui parler. Alors parce que normalement le pont s'effondre. Et on doit aller au passage dans la grotte à droite là. Ou alors attendez. Ouais. Attendez. On va aller là. On va faire le jeu un minimum comme il faut au cas où. Oh là là, il y a des monstres mais tu peux pas aller ici. Alors si vous avez vu la petite barre en bas, je suis navré. Tout à l'heure, donc je vais essayer de régler le pareil ce souci là. Toc, allez, boum, on va là-dedans.
Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Ah, faut aller parler à gros papy. Ouais, c'est grand papy, je sais, mais moi je vais dire gros papy. Alors, toc. Ça, casse-toi. Allez, hop, on parle au vieux. Ah là là, incroyable. Ouais, allez, hop. Alors, normalement, on est censé... Mais enfin, tais-toi! On est censé aller compter le nombre de palmiers qu'il y a à la plage, mais je sais le nombre qu'il y en a, parce que je me souviens très très bien. Voilà, j'ai fait le jeu quelques fois. Oui, mais fous-moi la paix! Je sais, moi, combien il y en a. Regardez, on va faire un très beau 7. C'est un 7. Voilà. Il y a 7 palmiers. Je le sais, je remets un petit peu mon micro en place. Toc. Alors, on va ouvrir ce coffre. Oh là là, on a obtenu une épée, mais c'est incroyable. Alors, si je secoue, voilà, ça va être un bordel, l'épée, je vous le dis. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez hop, on sort de là. Oh, bonjour. Oh, l'entraînement, ça va être quelque chose. Oh, vous allez rigoler à la souris. Oh là là. Allez, go. Pétard, je vous dis, il y a des attaques, on va pas souvent les faire. Hein. L'attaque tourbillon, là. Alors ça? Ouais, hop, oh, pétard, il y a encore la barre qui est apparue. Ça, va falloir que je fasse quelque chose pour pas que... Alors, ça. Voilà. Ça, voilà. Ça encore, c'est faisable. Voilà, nickel. Et alors, attention, l'attaque circulaire. Ouais. C'est n'importe quoi! Allez, mais non! Oh là là! T'as l'attaque ci circulaire avec la souris, c'est. Yes! Oh, j'ai réussi! Incroyable! De toute façon, on a d'autres méthodes pour battre les ennemis et l'attaque circulaire ne fera pas partie de ce dont j'ai envie de faire. Voilà, sachez-le. Alors. Vrubim, vrubim, vrubim. Ça c'est plus simple. Par contre, en effet, il y a des ennemis. Je vais légèrement m'inquiéter. Oh, attendez, on va prendre les rubis. Toc. Alors. Tam tam pam parabam. Alors, ce jeu, c'est pas le meilleur qui puisse exister. Parmi les Zelda en tout cas. Mais bon, vu que j'étais parti dans l'objectif de vous faire tous les Zelda, alors tu... Mais t'es sérieux? Eh ben on va les faire. Alors, on a perdu notre premier dégât. Bon, sur émulateur, il est faisable le jeu quand même, hein. C'est pas non plus... Là, il demande pas une ressource exceptionnelle. Allez, hop. C'est nickel. Ah là 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 là, les premières énigmes. Alors, c'est vrai que je vous ai pas un peu raconté l'histoire là, parce que le papy, il me dit qu'il y a un mec qui a un navire qui pourrait nous aider à un endroit plus ou moins précis, mais on doit se rendre donc à cet endroit et le pont s'est effondré, donc on ne peut aller à cet endroit. Hop, pétard. Pardon, j'avais peur qu'il y avait une mouche sur l'écran, et en fait, c'est pas une mouche, c'est un endroit sur la carte. Alors, bien sûr, si vous jouez sur console classique, je joue sur l'écran du bas, donc le pad. Tirez les 4 leviers, premier, second à gauche. Alors, premier, second à gauche. Il suffit de prendre le menu, d'aller sur la carte. Et on va faire 4 points comme ça. Alors, je veux bien qu'il se marque. Et le premier, c'est le second. À gauche, alors on va mettre un point juste comme ça, vous allez voir. On va pas s'embêter de faire des chiffres. L'autre jour, je réfléchissais à ça. Alors, je vais re-vous faire une ellipse parce qu'il y a des rechutes d'FPS. Non, il s'est calmé. Ah non, il s'est pas calmé. Qu'est-ce qu'il me dit là? C'est pour apprendre à tuer. Ouais, bon, je m'en fiche. Alors, on va prendre ça. Bah écoutez, ça s'est calmé. Je vous dis, les prochaines fois, on filmera avec OBS, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Alors, oui, hop, hop, voilà. On récupère ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? 20 rubis, c'est cool.
Alors, tirer les quatre leviers, second et dernier. Le second, premier à gauche. Voilà. Et le dernier, troisième. Non, le dernier, première à droite. Alors j'imagine que c'est comme ça. Oh là, on fera des points comme ça sera plus simple. Bon, ça s'appliquera un peu mieux la prochaine fois, mais. Alors, si je comprends bien, le premier, c'est lui. Le second, c'est lui. Ça se trouve, j'ai mal lu et c'est une honte. Troisième, là. Et quatrième, ici. Incroyable. Est-ce que si je clique sur la clé. Oui, il s'y dirige. Assez lentement, mais il s'y dirige. Voilà. Bon. Donc, la qualité graphique, en effet, elle est un peu. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça passe. Boum. Surtout en petit écran, donc ça va. Allez, yes. On l'a eu. Ah oui, lui là-bas. Attendez. Mais t'es sérieux? Allez, pétard. C'est une blague. Oh, 5 FPS. Wow. Oh, des carpis. Pour rester poli. Alors, on va aller là. Oui, non, mais vas-y. Parce que vous avez bien compris qu'il y avait une souris. Et donc j'ai mon nez qui fait des misères. Une souris qui avait la clé. Alors on va la laisser passer, voilà. Yes, on l'a eu, j'avais un peu peur de pas réussir du premier coup. Allez, voilà. Rien de bien compliqué pour le coup. Alors, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. C'est pas bien grave. Toc. Alors, enfin 20 minutes plus ou moins. Hein. Toc. Nickel. Oh là. Voilà. Il y a eu un ralenti. Bah, je m'excuse pour les petits ralentissements qu'il y a. Normalement, il ne devrait plus y en avoir par la suite. Alors. En effet, il y a le bateau là-bas. Alors attendez. Avant d'aller au bateau. Bonjour monsieur. Ouais. Alors, incroyable. On va aller ici. Bonjour madame. Combien coûte ce machin? 80. Eh ben, j'ai pas assez. Incroyable. Non, non plus. Je voulais juste partir. Voilà. Allez, on y va. Alors, il y a une goutte, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard, une larme rouge là. Alors, on a des frises. Pourquoi? Pétard. Allez. Bon, lui nous explique que le conducteur du bateau s'appelle Lenbeck et qu'il a disparu et qu'on ne sait pas où il est et que moi je sais très bien où il est mais qu'il faut d'abord aller là. Voilà, parler à lui. Oh là là, Lenbeck. Bonjour. Non, non, faut parler à lui. Et c'est le vieux qui va nous le dire. Voilà. On a une magnifique conversation. Ah, pétard, excusez-moi. J'ai pas de mouchoir en plus à proximité. Quel drame. Allez, hop, c'est parti. On y va. On va aller récupérer ce Linebeck. Puisque nous, on a besoin du bateau là pour retrouver. Nos compagnons. Attendez, j'ai souvenir d'un truc. On peut faire des roulades. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que c'est super dur à faire. Incroyable. Alors ça lag. Attendez, j'arrête de bouger 2 secondes. Je vous fais une toute petite ellipse. Et bien re, voilà, ça ne bug plus. Eh ben dis donc. Alors. Mais pétard, je veux faire une roulade là aussi. Bon, tant pis, hein, j'en ai marre. On va laisser l'oiseau tranquille. Toc. Alors oui, je savais qu'on pouvait pas passer par là. Oui, il y a des grottes et tout, on peut pas y aller pour le moment, vous inquiétez pas.
Je connais le jeu. Oh là là! Incroyable. Voici le temple des mers, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Temple des rois des mers, d'accord. Du roi des mers. Mais enfin, pourquoi il y a des frises à ce moment-là? Oh, regarde! Un squelette. Est-ce que c'est Lindbeck? Non, c'est pas lui. On peut parler aux âmes des squelettes, mais c'est pas lui. Et puis honnêtement, je m'en fiche un peu des âmes des squelettes. Oh là là! Hey. Incroyable! T'as entendu, Link? Mais bien sûr que j'ai entendu. Oui, allez, filme-le. Salut, tu tombes à pic! Oh là là, aidez-moi! Oh, lui, c'est Lindbeck! Hé, hey, tu m'écoutes, j'ai besoin d'aide. Quoi, que tu veux dire? Pour quelqu'un qui crie à l'aide, il est bien hautain. Oh, c'est quoi ça? Il est hautain. Oh, c'est la pipelette ailée du vieux Schnock. D'accord, d'accord, je m'excuse, je l'ai dit. Maintenant, faites ce que je dis. Ah, d'accord. Ouais, ouais, je vais venir t'aider. D'accord, ouais, ouais, ouais. Oui, arrête de m'expliquer, je sais. D'accord, bon, allez, on va l'aider. Alors. Oh, hé, attends un peu. Le tombeau, il aspire les forces vitales. Incroyable. Oh là là, pourquoi ce premier épisode, il a des lags comme ça? Allez, oui, je sais où aller. Mais enfin, le jeu, il bug pas du tout. Oui, j'ai tout compris. Allez. Bon, je vous refais une ellipse, hein. Re, mais enfin, c'est incroyable, ces bugs. Oh là, j'ai perdu de la vie. Alors, on arrive ici, toc. V'là. Alors, il est là. Il va courir. Incroyable, c'est les cinématiques qui font des coups de lag. Vous avez vu? Bon. Oh, j'avais pas fait gaffe à ça. La blague. D'accord. Salut. Allez, explique. Oh, écoutez, écoutez. Phew, je peux enfin souffler un peu. Tu as dit que tu ne pouvais pas marcher, mais tu ne boites même pas. Tu as dit que tu avais besoin de notre aide. Bah, c'est pas toi qui m'as sauvé, alors la ferme. Un demi et demi portion. Pardon. Tu as des tripes pour quelqu'un de ta taille. Enfin, pas autant que moi, mais merci. Comme ça, tu t'appelles Link, hein? Tu pars d'un nom bizarre. Moi, c'est Lindbeck, je suis un marin, un vrai. Cool, hein? Incroyable. Au début, c'était le calme, plat. Pas une vague. Et puis, je suis tombé dans ce piège retors. Je crois que c'était ça le nom. Cet endroit te videra de ta vie si tu baisses ta garde. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux que je t'aide? Il lui explique. Oh là là, Link, il parle. Quoi? Tu cherches le navire fantôme? Alors, tu essaies de mettre tes pattes sur le trésor? Trésor? Mais de quoi tu parles? Link essaie de sauver son amie. Elle a été enlevée par le navire fantôme. Il paraît que tu sais quelque chose là-dessus. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Oh, vraiment? C'est trop mignon. Je vais pleurer. Je blague. Oh, le bâtard. C'est du... Si c'est ça, si c'est pour ça, je peux t'aider, je suis ici, trouve les informations. Oh là là, enfin, tiens, il parle beaucoup. Mais je vais me courir comme un lapin. Ouais, n'importe quoi. Ma vieille, la douleur est insupportable. Oui, oui, oui. Ouais, il a mal à la cheville. En tout cas, tu veux en savoir plus sur le bateau, hein? Eh bien, force à ma place, demi-portion, fonce à ma place, pardon. Va trouver lundi sur le navire fantôme, il est quelque part ici, on a besoin... Il faut le trouver là.
pauvre Link qui subit. Allez, on va chercher ce truc parce que c'est en train de prendre un temps. Oh là là, j'ai ouvert la barre des recherches. Désolé. Oui, oui, oui. Allez, tétoué. Mais c'est une blague ces chutes d'FPS là. Allez, oui, on y va. Oui, oui. Pour ça, faut que tu te taises. Link en PLS. Eh bien, je vous ai fait une ellipse parce que il y avait des bugs et j'en ai profité pour récupérer le cœur. Les cœurs, voilà. Je n'avais pas mes cœurs à fond. Allez, hop, c'est parti. Toc. Et voilà. Allez, vite. Run. Oh là là. Toc. Toc. Et voilà. Et boum. Nickel. Normalement, la porte s'ouvre. Ne vous inquiétez pas, cet épisode sera bientôt fini. Il y a eu quelques ellipses, hein, je suis navré. Mais bon. C'est les risques du métier, dit-on. Toc. Ici, allez hop. Voilà. Carte maritime, oh là là. Nord, sud, est, ouest. Ah, est, c'est à droite, ok. Ouest. C'est ouest. Pardon. Je suis fatigué. Allez, on y va. Toc. Oui, on prend des dégâts, c'est pas bien grave. Hop, on arrive ici. Si elle, elle va dire, oh, mais il est où? Enfin, non, nous, on se dit plutôt, oh, mais tiens, il est où? Ah non, elle le dit vraiment. Hein? Où est-il? Oui, 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 laisse-moi récupérer mes petits cœurs. Allez, on y va. Toc, là-dedans. Enfin, non, du coup, puisqu'on sort. Allez. Qu'est-ce qui se pose? Oui, bon, là en gros, il est content. On a récupéré la carte. Oh là là, merci, c'est sympa. J'ai préféré vous attendre dehors. Non, non, non. Oui, il est très arrogant. Il a vraiment fait ça. Oui, il a vraiment fait ça. Si elle a, t'inquiète. Ah là, ce jeu a beaucoup de dialogue pour pas grand chose. Mais il est rigolo. Oh, ouais. Alors attendez, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. J'ai loupé. Ouh là, je l'ai pas loupé. Hop. Voilà. Toi, boum. Allez. Incroyable. Je pensais qu'il y avait un truc. Mais il n'y a rien du tout. Allez, hop. On s'en va. On a récupéré des rubis, du coup, je crois. Combien on a de rubis? Combien est-ce qu'on a pas assez pour récupérer... pour récupérer le bouclier. Bon. Tant pis, hein, dirais-je. Ah non, attendez. Viens là. Non. Je veux la poule. Allez. On va y arriver. Allez, on va y arriver. Voilà, je me disais aussi. C'est comique cette scène, mais c'est pas grave. Alors attendez, on peut aller là. Youhou ! Voilà. Viens, va-t'en, tu m'énerves. Incroyable, pas du tout ce que m'intéresse. Hop, on va bientôt finir l'épisode, je vous le dis, mais pas de suite. Oh, bel pétard. Allez. On y va. Bonjour. Oh, il est là, le vieux. Oh là là, incroyable. Ouais, tu t'énerves pas et t'as aidé Link, alors tu l'aides dans sa quête de retrouver sa copine dans le bateau fantôme. Voilà, hein, voilà. Alors, oui, oui. Ah, il faut qu'on gratte. Ah oui, parce que ça, dans le sur 3DS, on doit résoudre l'énigme et on doit gratter. Vous trouvez ça lent? Oui, oui, je comprends. Moi aussi. Oh, on a réussi, oh là là. Incroyable. Ouais. Je me demande comment je vais m'organiser pour le layout, parce que vu que l'écran principal c'est celui du bas et que la carte elle est quand même plus ou moins importante. Voilà, il y a des petites actions quand même. Prêt, allez, on y va. Oui, pas besoin. Allez. On y va. Chaud, papé. Allez, oh là là. Incroyable, on peut aller voir Terry si on veut, mais j'en ai rien à faire, il y a des lags, je suis navré. Alors, on va aller ici, et je vais juste le mettre en arrêt, je vous fais une toute petite ellipse. Voilà, hop, et ben dis donc, il y en aura des ellipses. Hein. Oh, j'ai failli oublier, oui, touche avancée, ouais, c'est bien, et on peut sauter aussi. Incroyable. Bon, alors voilà, les passages en navire, bon, les premiers instants... On va rester comme ça, là je vais vous montrer, on regarde, oh là là, il y a des crapauds, je vous reprends quand il y a des trucs intéressants.
Mais je pense que sinon ce sera des accélérés ou des machins parce que franchement, bon, il n'y a rien de bien farfelu quoi. Bon après il y a des passages aussi, mais sinon... Vous remarquerez qu'en bâton on a 4 cœurs. Hein. Hop là, jamais tir, désolé. Voilà, nickel. Oh, île du feu, incroyable. Oh là là, mais cet endroit, c'est l'île du feu. Oh bah c'est, hein, pardi, vraiment incroyable. Eh ben, voilà, voilà. Hein. Mais toi, tu me comprends, pas vrai, Link? Oui, je sais pas de quoi il parle. Mais bon, en fait, si il a pas envie d'accompagner Link au volcan et tout, la quête, il va rester là. Bon, ben mesdames, messieurs, on va pas s'aventurer plus que ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que malgré les petits lags qu'il y a eu, cet épisode vous aura plu. J'espère que mon retour vous aura plu. J'espère que ce let's play vous plaira. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, surtout le commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube pour voir si mon contenu vous plaît, pour vous, éventuellement vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Qu'est-ce que j'aurais éventuellement oublié? Je crois que rien. Et ben voilà, ben sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.